Est-ce que tu as les fondations solides dans ton business en termes de mindset et de stratégie qui vont te permettre de réellement level up dans ton business avec fluidité et efficacité? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans ce live. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des trois piliers qui sont selon moi indispensables pour à maîtriser en fait pour level up dans vos business. Ce sont en fait, ce dont je vais vous parler, les fondations pour un business stable et rentable. Et si vous voulez vraiment level up, mais que vous n'avez pas ces fondations solides, c'est un peu comme un château de cartes. Si à la base, c'est pas solide, on ne peut pas continuer d'augmenter. Donc, on va voir ça ensemble. Comment éviter de se casser la figure en route? Comment construire ces fondations hyper solides? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe tout ça? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer le process, donc les trois piliers essentiels. Et c'est sur ça que pendant le programme Les Éclaireuses, on va vraiment venir travailler en profondeur chacune d'entre vous, les six éclaireuses qui vont nous rejoindre. On va travailler en profondeur pour mettre ça en place sur mesure pour votre business. Parce que la promesse avec les éclaireuses, je vous le rappelle, c'est vraiment de 1. vous aider à construire un business model minimaliste et florissant qui vous permet de travailler moins mais mieux. Vraiment qualité avant quantité. Le second point, c'est vraiment d'apprendre à placer vos valeurs et votre éthique au cœur de votre business pour créer plus d'argent et contribuer, agir et développer vos projets engagés à plus grande échelle. Et la troisième point qu'on va voir, c'est utiliser Instagram réellement comme une chef d'entreprise et l'utiliser comme levier pour propulser son business. Aujourd'hui, mon Instagram, c'est là que je trouve tous mes clients. C'est vraiment le levier pour mon entreprise et c'est ce que je vais vous apprendre à faire aussi également au sein du programme. Ok, donc on est parti pour les piliers. Hello les filles. Alors, le premier pilier, c'est Instagram. Et là, peut-être que tu vas avoir ces questions du type ouais, ok, mais alors comment est-ce qu'on se démarque sur Instagram? Comment est-ce qu'on se démarque de la concurrence? Comment on fait pour attirer des clients et ce, bah, même si on a une, voilà, une petite audience? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens nous choisissent à nous, pour travailler avec nous? Comment est-ce qu'on fait pour que nos abonnés aient la confiance qu'on est la bonne personne pour les aider, qu'ils aient confiance en nous pour investir et parfois pour investir plusieurs centaines d'euros? Et pourquoi en fait, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils nous choisissent à nous plutôt qu'à un autre? Parce qu'il y a énormément de monde sur Insta, donc comment est-ce qu'on fait pour qu'ils nous choisissent nous? Ok, et bien alors mon approche, elle est simple et efficace, minimaliste, on ne perd pas les bases. Vous êtes unique. Tu es unique, toi, derrière ton écran. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Il y a juste toi. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tu as ton histoire, tes valeurs, ton pourquoi. Tu le partages. Tu es là aujourd'hui, dans ta vie, à cet instant, pour une bonne raison. Tu as créé ce business, pourquoi? Pour une bonne raison aussi. Donc, pourquoi est-ce que tu es entrepreneur? Pour une bonne raison qui est liée avec ton histoire de vie également. Et c'est quoi tes valeurs? C'est quoi ton message? C'est quoi ton pourquoi? Et tout ça, en fait, va faire qu'il n'y a pas deux personnes comme toi et que tu vas forcément te démarquer parce que ton pourquoi, là où tu en es aujourd'hui, pourquoi tu es entrepreneur, pourquoi tu fais ce que tu fais, il n'y a que toi qui le fais comme ça et pour ça. Et c'est pour ça que les personnes vont te choisir à toi spécifiquement. Donc, partager tout ça, en fait, ça va te permettre à la fois de te démarquer parce que tu es unique, ne l'oublie pas. Personne n'a la même histoire que toi, le même pourquoi, les mêmes rêves, les mêmes messages, la même vérité, les mêmes valeurs, la même éthique. Et du coup, ça va aussi te permettre, en fait, de connecter encore plus profondément avec les personnes de ton audience qui partagent ce message, ces valeurs, ces engagements. Ok, ça va vraiment te permettre de venir créer un lien de confiance et une connexion émotionnelle qui est très forte avec ton audience en partageant ton message, tes valeurs, tes engagements. Tu connecteras avec les personnes qui auront les mêmes aspirations que toi et tu connecteras de manière très privilégiée, très profonde et très précieuse en fait. Si par exemple tu es à fond dans le zéro déchet, eh bien tu vas connecter avec des personnes qui comme toi sont à fond dans le zéro déchet et ces personnes-là, je le sais, ce sont eux
tes clients idéaux, on est bien d'accord. Si tu veux, bah, par exemple, ouvrir un refuge pour les animaux, ça c'est mon rêve, et ben, je vais connecter avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que moi, qui aiment le bien-être animal, qui aiment les animaux, et qui vont en fait connecter avec moi parce qu'on a des rêves et des aspirations en commun. Ok ? Donc vous allez vraiment, en faisant ça, créer un lien de confiance et un lien émotionnel très fort avec votre audience. Et en plus de tout ça, en racontant votre pourquoi, vos valeurs, votre histoire, vous allez montrer à votre audience, à vos clients potentiels, que vous êtes déjà passé par là. Vous allez encore plus renforcer le lien de confiance et apporter une seconde dimension qui est une crédibilité très forte auprès de votre audience. Et vous allez aussi montrer, bah, du coup, que vous-même, vous êtes passé du point A au point B que vos clients rêvent de faire, et c'est pour ça qu'ils vont travailler avec vous. Et en plus de tout ça, vous avez aussi apporté vos clients du point A au point B. Donc, vous savez de quoi vous parlez parce que vous l'avez vécu, vous êtes 100% légitime de faire ce que vous faites parce que vous avez vous-même vécu cette transformation, et en plus de tout ça, vous avez aidé d'autres personnes à le réaliser aussi. Donc, ça montre vraiment votre légitimité. Et en fait, c'est également cette crédibilité et cette expertise que vous allez rajouter comme dimension derrière cette légitimité. Ok ? Parce que vous l'avez déjà fait et vous le faites actuellement avec vos clients. Donc, bien sûr que vous savez le faire et bien sûr que vous allez pouvoir aider vos clients. Et en faisant ça, en partageant ce message, les gens vont le savoir parce que tout simplement, vous allez leur dire et leur montrer. Ok ? Donc, tout ça va faire que vos clients auront confiance en vous et vous choisiront parmi la concurrence. En fait, vous allez vous démarquer, vous allez briller par vos valeurs, vos engagements, votre message fort et votre histoire. Ok ? Et si tout ça, ça vous semble un petit peu difficile à imaginer, que vous vous trouvez peut-être un peu banal et vous vous dites « Non, mais moi, mon histoire, elle est pas foufou. » Enfin, les filles, arrêtez de penser ça. Arrêtez tout de suite de penser ça, c'est faux. On ne devient pas entrepreneur, ou du moins je n'ai jamais rencontré d'entrepreneur qui se lève un bon matin et qui se disent « Ah bah voilà, je vais faire ça ». Non, ça c'est impossible, en tout cas j'en ai jamais rencontré, donc je suis certaine que si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est forcément qu'à un moment dans votre histoire de vie, il s'est passé quelque chose, vous avez un pourquoi qui fait que vous faites ce job aujourd'hui, une histoire forte qui fait que vous en êtes arrivé là. Et ça, ça a réellement beaucoup d'importance à être transmise. Donc, n'oubliez pas de partager ça. Entrepreneur, je le fais moi-même, mes clients me le font aussi. C'est vraiment, on le fait parce qu'on a des valeurs fortes de contribuer, d'aider, d'accompagner. On a la valeur forte aussi de mettre l'humain, le bien-être humain, au sein de nos projets. Et je suis certaine, voilà, que vous avez un message fort à transmettre, un message fort et puissant à rayonner. Donc, ne vous dites pas que vous êtes banal. Je suis certaine et je suis sûre et certaine que c'est faux. Donc, les filles, je vous interdis vraiment, voilà, de dire ça. N'oubliez pas de révéler votre lumière. Et si aujourd'hui, voilà, vous ne savez pas trop exactement comment déterminer vos valeurs, vos engagements, comment les placer au cœur de votre business, comment les rayonner, ça, c'est ce qu'on va faire dans le coaching individuel qui est prévu au sein du programme des éclaireuses, parce que je vais être là avec vous pour vous aider justement à revoir votre histoire de vie, à voir un petit peu tout ce qui vous a conduit là, pour mettre en lumière justement ces points de votre histoire, vos valeurs, vos messages. On va vraiment, voilà, venir en fait révéler votre lumière et mettre ça au cœur de votre communication et de votre business, ok ? Donc, pourquoi est-ce que c'est aussi important, selon moi en tout cas, de placer ses valeurs et ses engagements au cœur de son business ? Parce qu'en plus, aujourd'hui, dans tout ça, les consommateurs, ils sont beaucoup plus conscients. Aujourd'hui, quand on achète un service, un produit, peu importe, on réfléchit beaucoup plus notre consommation. Et aujourd'hui, les clients, les consommateurs de manière générale, vont vraiment venir choisir les services ou les produits qu'ils achètent pour l'humain qu'il y a derrière, pour l'énergie de la personne, pour les valeurs qu'elle défend, tous les engagements. C'est vraiment un package en fait que les personnes achètent. Maintenant, on n'achète plus un service juste pour acheter un service ou un produit pour acheter un produit. C'est beaucoup plus conscient que ça. Et donc, partager tout ça, ça va vous faire avoir cette connexion émotionnelle forte avec votre audience. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir plus d'engagement et du coup, à la finalité, plus de ventes. C'est ça qui va faire que les gens vont vous choisir à vous en fait.
Donc, oui, sur Instagram, il y a beaucoup de monde, ça c'est clair, on est d'accord, il y a sûrement d'autres personnes qui font le même job que vous, ça j'en suis certaine, mais il n'y a personne qui le propose comme vous, vous le faites, il n'y a personne qui n'est vous, qui a votre énergie, qui a votre façon d'expliquer, etc. Donc, peut-être que vous vous demandez bah, pourquoi les gens ils voudraient travailler avec moi spécifiquement. Bah, justement, ils vont venir chercher ça chez vous. Ils vont venir chercher votre énergie qui est propre à vous et unique. Ils vont venir chercher votre façon d'aborder le sujet qui est peut-être différente des autres et qui est du coup unique. Ils vont venir chercher bah, votre histoire, votre pourquoi, votre message fort à transmettre parce que ça va les toucher, ça va vibrer pour eux et c'est ça qui va faire qu'ils vont vous choisir aussi. Parce que vous avez des engagements, des aspirations et des valeurs fortes. Et c'est ça qu'ils vont vouloir prendre. Ok? Par exemple, moi, je suis business coach. Je suis business coach éthique. Donc déjà, ma spécificité va venir me faire en sorte que je vais me démarquer des autres business coach. Parce que je suis spécialisée sur les entrepreneurs qui veulent développer leur projet avec des valeurs fortes. Donc déjà, c'est une première spécificité. Pardon. C'est une première spécificité. En plus de tout ça, j'ai l'approche business minimaliste. Et donc, les gens, mes clients vont me choisir et me le disent pour cette approche éthique et pour cette approche business minimaliste. Ok? Donc, ensuite, une fois qu'on a passé ce filtre, en racontant, donc voilà, ma spécialité, mon approche, etc., la façon dont j'enseigne, ça va faire un premier filtre de confiance en soi et de choix en fait des personnes. Et le second filtre, c'est quand je vais venir raconter mon histoire, mes valeurs, mes engagements. Par exemple, moi, mon histoire, je suis une femme, une entrepreneure ambitieuse et déterminée. J'ai 24 ans, je viens d'études de biologie, j'ai pas fait d'études de marketing. Et bien en fait, en partageant ça, en montrant qu'on peut très bien s'en sortir en étant jeune, parce qu'on est déterminée et ambitieuse et parce qu'on n'a pas forcément fait des études de marketing, on peut réussir. Ça va venir connecter avec des femmes qui, comme moi, sont ambitieuses et déterminées. Et en fait, je vais aussi leur montrer que c'est possible de réussir, même si on n'a pas fait un master en communication digitale ou que voilà, on n'a pas 35 ans d'expérience. En fait, c'est totalement possible. Et en fait, en partageant mon histoire et ma vie, mon quotidien et ce que je fais, eh ben, je deviens aussi la preuve en fait pour mes clients que c'est totalement possible de réussir. Donc vous aussi, en partageant votre histoire, votre parcours, vous allez devenir l'inspiration pour vos clients de vous dire ah ben ouais, en fait si elle a réussi, ben à la fois moi je peux réussir et en plus bien sûr que c'est la meilleure personne pour m'aider à réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est vraiment hyper hyper important pour moi de vous le préciser. Soyez en fait la source d'inspiration dont vos clients ont besoin pour croire en eux et pour croire en leur réussite. Et également parce que vous êtes des éclaireuses, vous êtes là pour porter un message fort et pour l'affirmer, ok? Vous allez du coup, à partir de là, en fait, briller par votre positionnement et vos valeurs et c'est ça qui va faire réellement que vous allez vous démarquer et être un petit peu comme l'étoile au-dessus du plateau. Pour vos clients, en fait, ils vont vous voir parce que vous rayonnez tout ça, vous avez une énergie, des valeurs, un message, et c'est ça qui va faire que vous allez vous distinguer des autres professionnels qui vendent peut-être les mêmes services que vous. Ok? Parce que vous ne vendez pas juste un service, vous vendez tout un univers derrière, et c'est ça qui va rayonner dans votre communication, et c'est ça que je vous invite à rayonner sur Instagram pour faire en sorte de créer comme une aura autour de votre marque, comme un univers. Et c'est pour ça que les gens vont vouloir travailler avec vous spécifiquement. Et alors attention, il n'y a pas derrière cette idée d'être parfaite. Hein, voilà, si vous prenez des valeurs de zéro déchet, on ne vous demande pas d'être la perfection du zéro déchet incarné. Non, non, pas du tout. Vraiment, en plus de tout ça, montrer votre humanité, votre vulnérabilité, ça va aussi venir renforcer cette connexion. Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram d'autant plus, personne ne veut voir des gens tout lisses, tout brillants, qui ont aucun problème. Non, aujourd'hui, on veut voir de plus en plus d'humains. Et ces valeurs d'authenticité et de vulnérabilité, en fait, vont faire cette connexion émotionnelle encore plus forte. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. Imaginons, par exemple, une sophrologue qui est de naturel un petit peu stressée, en fait. Et ben, en fait, en partageant son histoire et en disant aux gens, ben voilà, moi, j'étais hyper stressée, je faisais des crises de panique et aujourd'hui, grâce à ces outils, ben, j'arrive à les gérer. Voilà comment ça a changé ma vie, ces outils. Et ben,
vous allez connecter de manière encore plus profonde avec les gens qui, bah, peut-être eux aussi, font des crises de panique et vont se dire « Ah ouais, bon, bah, elle est sophrologue, mais elle sait ce que je vis parce qu'elle le vit elle-même et en plus, elle s'en sort. Donc, bah, forcément, elle va pouvoir m'aider à vivre parce qu'on vit la même chose. » Donc, montrer que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout lisse, ça va aussi venir montrer que derrière, bah, vous êtes un vrai humain, en fait, que vous avez, vous aussi, des difficultés et que vous savez, en plus de tout ça, vous avez les outils pour vous en sortir. Donc ça va venir vraiment renforcer encore une fois cette connexion émotionnelle et cette légitimité et cette confiance avec votre audience. Donc parler de votre histoire, de vos valeurs, montrer votre humanité, ça va vous permettre à la fois de vous démarquer de la concurrence et aussi de vous positionner comme référence lumineuse sur votre marché. Vous allez en fait sortir du lot parce que vous êtes à 100% humaine et engagée, que vous avez des valeurs, que vous portez un message fort et que vous avez une expérience, une histoire de vie qui fait que ça, bah, ça vous rend totalement unique en fait. Et ça, personne ne peut vous l'enlever, personne n'aura la même histoire. Et grâce à ça, vous allez vraiment venir construire cette connexion émotionnelle forte avec votre audience et ce lien de confiance profond et réel avec votre communauté. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui va faire qu'au moment d'investir, vos clients vous se tourneront en fait naturellement vers vous spécifiquement, qui seront prêts à vous payer à votre prix juste et même à se mettre sur vos listes d'attente pour être là quand vous ouvrirez vos services. Ok ? Donc, en plus de tout ça, communiquer sur vos valeurs, ça va vous permettre également de produire du contenu. Parce que ça, c'est le second point. La seconde question que j'ai tout le temps, j'entends tout le temps, oui, mais alors Instagram, faut être présent tous les jours pour que ça marche. Moi, j'ai pas le temps, merci, j'ai des clients, j'ai une vie, j'ai pas que ça à faire. En plus, j'ai jamais d'idée de quoi dire, je sais pas quoi dire, j'ai rien d'inspirant à partager, etc. Donc dites-moi si ça, c'est des questions que vous vous posez. Et le pire que j'entends, c'est il faut faire des posts, mais du coup pour ça il faut connaître sa cible, il faut produire du contenu qui leur parle, qui réponde à leurs besoins, à leurs problématiques, faudrait que je fasse une étude de marché hyper spécifique pour avoir les mots de mon audience, etc. Enfin voilà, tous ces trucs là où tu te dis ouais bon bah c'est un petit peu long, c'est un petit peu relou, j'ai pas que ça à faire et en plus ça me donne pas vraiment envie, donc en fait bah avec toutes ces pensées là bah clairement ça donne pas trop envie de se lancer sur Instagram parce que bah voilà, si vous faire tout ça avant et que c'est aussi compliqué d'écrire un post Insta, non merci quoi. Donc en fait moi, ce que je vous dis direct, c'est pas du tout ça que j'enseigne. C'est plus du tout ça que j'enseigne. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins prise de tête et c'est vraiment, pour moi, la base du minimalisme, en fait. Parce que vos posts, en fait, ils vont être basés sur votre histoire, vos valeurs, votre vision de la vie et votre approche de votre thématique. Et clairement, je fais des posts sur mes rêves d'avoir un poulailler dans mon jardin fabriqué par un artisan. Et c'est dans ces posts-là que j'ai le plus d'engagement et de connexion avec ma communauté, de messages, etc. Et en fait, du coup, à partir de tout ça, et on n'a plus besoin d'études de marché compliquées, de comprendre notre cible sur le bout des doigts, parce que du coup, bah, notre cible, en fait, c'est juste des personnes comme nous, qui ont les mêmes valeurs que nous. Et donc, bah, en parlant de nos valeurs, on va créer ce lien de confiance et cette connexion émotionnelle avec eux. Et ça suffit en fait, ça suffit pour avoir envie aux gens, enfin pour faire envie aux gens de bosser avec vous. Je suis sûre que vous aussi, mais moi ça m'arrive d'avoir envie de bosser avec des gens juste parce que j'adore leur énergie, j'adore leur message, leur façon d'être, etc., leur façon d'appliquer les choses. Et quand ils sortent des services, même si factuellement j'en ai pas réellement besoin, j'ai juste trop envie de travailler avec eux en fait. Donc dites-moi, je suis certaine que ça vous le fait à vous aussi. Et en fait, ça va être la même chose qui va se passer avec vos clients. Donc, clairement, cette approche minimaliste, en tout cas pour moi et pour mes clients, elle enlève une grosse charge de travail, de recherche, de prise de tête, des heures de, voilà, d'études de marché, etc. Bah non, en fait, c'est simple et fluide. Vous parlez de ce que vous connaissez, de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos engagements, et votre contenu, bah, il parle de vous, de vos expériences, de pourquoi vous avez créé votre entreprise, de pourquoi vous avez créé ce service et pas un autre, de vos produits peut-être, mais avec votre histoire derrière tout ça en fait, ok ? Et là, je vais vous redonner des exemples pour que ce soit bien clair pour vous. On reprend l'exemple d'une sophrologue, donc voilà, une sophrologue qui faisait des grosses crises de panique et qui un jour a appris des techniques de respiration qui ont changé leur vie. Et en fait, elle va connecter, donc comme je vous le disais, avec une audience qui est pareille, mais en fait,
dans sa communication, elle va pas parler des techniques en détail, de comment elle fait, etc. Elle peut en parler vite fait si elle veut, mais ce qui intéresse réellement les gens, c'est de voir à quel point ça a changé leur vie, parce qu'ils ont, ça a changé sa vie, parce qu'ils ont eux aussi envie de changer leur vie. Et ils s'en fichent en fait de comment est-ce qu'ils vont changer leur vie. Eux, ce qui compte pour eux, c'est qu'ils vont changer leur vie. Et donc, ils ne veulent pas savoir les détails techniques, etc. Eux, ils veulent savoir que c'est possible de changer sa vie grâce à des techniques de respiration. Okay? Donc, la sophrologue, elle a intérêt à partager bah, ça, en fait. Pas le détail de ses outils, mais comment ça a changé sa vie. Et un autre exemple, toujours d'un sophrologue, imaginons, elle s'est formée à la sophrologie, elle a découvert la sophrologie parce que peut-être qu'elle a un enfant qui souffre voilà, d'avoir des tempêtes émotionnelles et d'avoir voilà, des difficultés à gérer ses émotions. Et peut-être qu'elle, au début, elle était totalement démunie par rapport à ça, que c'était vraiment un point problématique dans sa vie et que ça lui causait beaucoup de stress. Et en fait, du coup, voilà, elle a découvert la sophrologie et grâce à ça, elle a aidé son enfant. Et en fait, en partageant ça, en partageant le pourquoi elle a fait ça, son histoire et ce qui a changé dans sa vie, elle va connecter avec des femmes, des parents, qui ont peut-être bah, eux aussi des enfants qui subissent des tempêtes émotionnelles, qui n'arrivent pas à les gérer et qui veulent apprendre à les gérer pour être plus sereins eux dans leur vie et pouvoir accompagner leur enfant à changer sa vie lui aussi. Ok ? Et c'est ça en fait qui va faire que ses clients vont se tourner vers elle parce qu'elle a cette histoire, parce qu'elle sait ce qu'ils vivent. Elle n'a pas besoin de faire des études de marché pour comprendre ce que vivent ses clients, elle le sait parce qu'elle l'a vécu. Ok ? Donc, vous voyez, là, je viens de vous écrire deux posts Instagram. Donc, vous voyez comment ça devient simple et fluide, en fait, de produire du contenu à partir de ça. On n'a plus besoin de passer des heures, voilà, à chercher. On gagne, en fait, du temps. On gagne du temps et on gagne aussi une connexion émotionnelle plus forte avec notre audience. Et c'est vraiment cette idée, en plus, de travailler moins mais mieux. Parce qu'on ne se casse pas la tête avec autant de stratégies compliquées. On va à l'essentiel. Et en plus, derrière tout ça, on a une connexion émotionnelle beaucoup plus puissante avec notre audience. Donc, on arrête de se compliquer la vie, on fait simple et on va à l'essentiel et on est beaucoup plus impactant. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est communiquer autour de vos valeurs et de votre histoire pour créer cette connexion émotionnelle forte, créer ce lien de confiance unique avec votre audience pour vous démarquer de la concurrence et briller par votre unicité sur Instagram, un réseau où on est beaucoup, mais là, vous allez être en fait la référence lumineuse sur votre marché. Ok ? Et en plus de tout ça, vous allez avoir une communication qui est plus simple, plus efficace et plus fluide. Ok ? Donc ça, c'était le premier pilier. Le second pilier, vous le voyez venir à 10 000, c'est votre mindset. Ça, vous le savez, c'est la clé, c'est la base, c'est le fondamental en fait quand on est entrepreneur. Vous savez, je le dis tout le temps, mais les stratégies c'est 20%, le mindset c'est 80% du job d'un entrepreneur. Pourquoi ? Parce que ça va venir influencer tout ce que vous mettez en place dans votre business. Tout ! Vous aurez beau mettre en place toutes les stratégies que vous avez vues chez les autres qui fonctionnent, etc. Si derrière votre mindset il ne suit pas, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que bah, vous avez beau mettre en place, et moi ça a été mon cas, j'avais beau mettre en place les mêmes stratégies que tous les grands business coachs, ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que mon mindset derrière, il ne suivait pas en fait. Ok ? Je vais vous donner des exemples encore une fois parce que c'est beaucoup plus parlant je trouve quand on fait des exemples. Mais moi l'exemple c'est bah, vos pensées créent votre réalité, ça c'est la base du mindset. Et donc je vous montre une première pensée. Imaginons, vous pensez que vous êtes trop vieille pour vous lancer sur Instagram, en mode non mais Instagram c'est pour les jeunes, etc. Moi je suis un peu trop vieille pour ça, c'est pas de ma génération, non. Émotion, là on est sur le modèle de Brooke, donc vos pensées créent vos émotions qui dirigent vos actions et qui bah, du coup vous permettent d'avoir les résultats ou pas. Donc, vous pensez que vous êtes trop vieille. Ok, émotion, vous ressentez ben, manque de confiance en vous, vous êtes ben, un peu dans le doute, en insécurité, c'est pas pour vous, etc. Action, vous passez jamais à l'action, vous vous lancez pas sur Instagram. Ou alors, vous vous lancez, mais vous êtes hyper mal à l'aise et ça se ressent. Résultat, ben, soit rien parce que vous n'êtes pas lancé, soit ben, en fait, vous allez vibrer ce message, parce que vous allez pardon, vibrer cette énergie de malaise, etc. Et les personnes vont se dire... ouais, bon, et puis bon, sur Instagram, il y a aussi quand même ça que, bah voilà, si vous plaisez pas à quelqu'un, il va pas s'embêter à vous suivre. Donc, il va switcher. Donc, finalement, avec vos pensées, vous voyez comment ça va venir influencer directement vos résultats. Donc, la puissance du mindset, elle est vraiment là. Autre exemple, sur l'argent.
point toujours compliqué chez les entrepreneurs. Vous croyez, pensez égale, je crois pas mériter de gagner beaucoup d'argent. Ok, pour tout un tas de raisons X ou Y. Ça, c'est vos pensées. Émotion, bah, insécurité, parce que bah, si je peux pas gagner beaucoup d'argent, bon bah voilà, est-ce que je vais en gagner au moins? Manque de confiance en soi, je mérite pas, etc. Je suis pas légitime, enfin tout ça, ça crée du manque de confiance en vous. Action, peut-être que vous allez vendre vos services, mais à des prix rikiki. Peut-être que vous allez pas du tout oser augmenter vos prix. Peut-être que vous allez être hyper mal à l'aise au moment de dire votre prix. Genre en mode, non mais faut pas que les gens sachent mon prix, parce qu'ils vont partir en courant. Sûrement aussi, peut-être que voilà, vous oserez pas parler de vos prix, et peut-être même que vous irez jusqu'à pas oser parler de vos services. Ok, ça j'ai déjà vu. Donc résultat, bah, forcément, si vous ne mettez pas des prix à votre juste valeur, bah, vous allez peut-être vous épuiser, prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients pour arriver à dégager quelque chose. Ou alors, bah, si carrément vous ne vendez pas vos services, bon, bah, vous n'allez pas créer d'argent. Ok ? Donc vous voyez vraiment comment vos pensées viennent clairement influencer et impacter vos résultats dans votre business. Donc quand on est entrepreneur, bah, je sais que l'argent c'est souvent voilà, un sujet un petit peu de tension, et à la fois on veut en gagner, mais à la fois pas trop, parce que bah, trop d'argent c'est mal, trop d'argent ça va nous changer, trop d'argent bah, ça dérange. Et voilà, il y a aussi plein de croyances à propos d'argent, genre voilà, on le mérite pas, qui on est pour en gagner plus, et si on en veut plus, est-ce qu'on est égoïste, est-ce qu'on est cupide, est-ce que c'est compatible avec l'éthique, enfin... Voilà, tout un tas de pensées, de croyances qui vont venir totalement impacter, comme je viens de vous le montrer via ces exemples, vos résultats. Sauf que le problème avec l'argent, en plus de tout ça, c'est que bah, à la fois on en a besoin pour vivre, pour manger, pour payer nos factures, mais on en a aussi besoin pour développer notre entreprise et nos projets en fait. Donc c'est vraiment toujours une dualité entre bah, à la fois bah, j'en ai besoin en fait, donc peur du manque si j'en ai pas, et à la fois bah, si j'en ai trop, bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais devenir une mauvaise personne? Est-ce que vouloir beaucoup d'argent, ça va toujours être ok avec mon projet éthique et engagé, etc. Donc c'est toujours cette dualité entre j'en veux un peu parce que j'en ai besoin quand même, mais en même temps pas trop parce que bah voilà, ça dérange, c'est pas forcément bien, etc. Donc ça va vraiment être le cœur de l'accompagnement les éclaireuses, parce que c'est un pilier fondamental en fait. Changer vos croyances sur vous, sur l'argent, sur les réseaux sociaux, sur la vente, sur le marketing, sur tout, ça va venir tout changer dans votre entreprise. Ça, c'est clair. Et en plus, avec cette idée de business minimaliste que moi j'apporte dans mon approche, il y a encore plus la croyance qui est bah, il faut travailler plus pour gagner plus, ou alors il faut souffrir pour gagner de l'argent. Et là, en fait, on vient encore plus avec cette idée de travailler moins mais mieux, faire paniquer le mental, de se dire non, moi je peux pas travailler moins mais mieux, c'est impossible en fait. Donc, comme c'est l'inverse de la croyance la plus commune, et ben ça va venir encore voilà, faire du bruit mental, faire beaucoup beaucoup de bruit mental. Et ça va réveiller bah, toutes ces peurs. Et donc là, la tension, c'est... Bah, enfin, le risque, pardon, c'est de vouloir mettre en place ça, mais de pas travailler sur son mindset et de complètement s'auto-saboter. Ok. Donc, comment vous voulez level up et comment est-ce que vous voulez créer plus d'argent si vous pensez que l'argent, c'est mal, qu'avoir beaucoup d'argent, c'est être cupide, qu'il faut aussi, bah, du coup, beaucoup travailler pour gagner beaucoup d'argent ou qu'il faut souffrir pour gagner de l'argent de manière générale. Ok, si vous avez ces deux croyances, voire un petit peu plus, et ben en fait, level up et mettre en place le business que vous voulez, et en plus avec cette approche minimaliste, ça va vraiment être compliqué. Ok, donc en one-on-one et également en coaching de groupe, comme je vous le disais, ça va être la base de ce programme. On va vraiment travailler sur ce mindset pour vous libérer de ces croyances limitantes et vous permettre d'expanser à votre plein potentiel, de briller sans limite et en fait de faire en sorte que votre mental arrête de vous auto-saboter et vous permette en fait de mettre en place réellement ce que vous voulez mettre en place dans votre business. Ok ? Donc pour tout ça, moi j'utilise différents outils que j'enseigne, tels que bah, le modèle de Brooke Castillo que je viens de vous montrer, donc pensée, émotion, action, résultat. Mais j'utilise aussi bah, la loi d'attraction, la visualisation et la manifestation, tout ça couplé à des approches plus pratico-pratiques de coaching pur et dur. Ok, mais ça c'est vraiment le second pilier et il est très 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 important. Ok, et le troisième pilier, nerf de la guerre, la vente. Parce que ben, on est en business en fait, on est en business et sur Instagram, ben, c'est pas les likes, c'est pas les abonnés qui payent les factures, ça c'est ma coach qui le dit tout le temps et je suis totalement d'accord avec elle.
Les abonnés, les likes ne viennent pas payer les factures. Et encore une fois, on est des entrepreneurs sur Instagram, on n'est pas des influenceurs, on est des vrais chefs d'entreprise. Et notre job, c'est aussi de créer de l'argent en vendant nos services en fait. Donc, comme je vous le disais, moi, mon système d'acquisition, si on utilise les termes très business, c'est Instagram. C'est via ce réseau social que je trouve tous mes clients, que j'attire tous mes clients. Ok, donc ce qui fonctionne le plus pour moi, c'est les posts, les stories, les IGTV et les lives. Donc je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours. Non, vous n'êtes pas obligé de parler de votre vie privée non plus. Vous n'êtes en fait limite même pas obligé de montrer votre tête. Il y a tout un tas de stratégies qui existent si dans un premier temps vous avez peur de vous exposer visuellement comme ça. Il y a tout un tas de stratégies qu'il est possible de mettre en place, ok? Et vous le voyez très bien, moi je monte pas ma tête tous les jours et pourtant ça se passe très bien. Donc avec Instagram, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vraiment rentrer dans les coulisses de votre univers, de votre vie et de votre business, mais surtout de vos valeurs et de votre pourquoi. Et c'est vraiment cette connexion et cette proximité qui va venir être le levier pour votre business. Pourquoi? Parce que vous allez renforcer ce lien de confiance. Et clairement, ça c'est un levier pour la vente, parce que personne n'achète des services à quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance. La confiance, aujourd'hui plus que tout, parce qu'en plus les consommateurs, les clients, peu importe, tout le monde est plus conscient, réfléchit plus sa consommation. Sans la confiance, il n'y a pas de vente. Donc ça, c'est vraiment le levier. Et derrière Instagram, comment est-ce qu'on construit tout ça? Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais ça, c'est des vraies stratégies en fait. C'est des vraies stratégies de visibilité, de communication et de vente qui sont réfléchies, travaillées et mises en place de façon optimisée. Et en fait, ça peut être très simple et très fluide, comme je vous le disais hier en fait, mais ça n'empêche que c'est des stratégies qui sont puissantes et qui sont vraiment réfléchies. Ok, on n'oublie pas qu'on est dans tout ça en business quand même. Et un business model minimaliste, comme je l'enseigne et je l'utilise, c'est cette idée encore plus de qualité avant quantité. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, comment est-ce que moi je l'utilise et je l'enseigne? C'est ce que je vais vous conduire à faire avec une approche du coup minimaliste. C'est des services en fait qui vont vous permettre d'avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Pourquoi? Parce que c'est qualité avant quantité. Donc des services qui apportent un maximum de valeur. C'est travailler moins mais mieux. C'est une offre qui nous permet d'aider un maximum de personnes avec un minimum de temps d'implication de votre part en fait. Nous, on n'est pas là pour se tuer à la tâche pour créer notre vie de rêve en fait. C'est pas ça notre vie de rêve. On veut pas souffrir. Et ça, c'est la croyance la plus commune. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ça revient à cette idée de mindset en fait. Ok? Donc, d'où vraiment la nécessité, clairement, de travailler ses croyances et de commencer à accueillir dans votre vie, dans votre business, la croyance, les croyances, je peux gagner beaucoup d'argent, je le mérite, j'en suis capable et j'en suis légitime en fait. Et je n'ai pas besoin de me tuer à la tâche ou de me sacrifier pour créer cette abondance dans ma vie. Ok ? Et une fois qu'on aura construit votre offre, qu'on va parler à votre audience, qu'on va travailler sur cette partie stratégie, c'est là que ça commence en fait. Parce que oui, c'est hyper fluide et naturel parce que en fait, une fois que vous aurez travaillé sur... Pardon, je regarde mes doigts. Une fois que vous aurez mis en place votre offre, que vous aurez mis en place votre stratégie de communication, vous aurez une audience qui vous suit, qui vous apprécie, qui a une connexion émotionnelle forte avec vous et qui vous fait confiance. Donc en fait, c'est tout naturellement et de façon assez fluide que la partie stratégie de vente va se mettre en place. Parce qu'en plus, en général, la partie stratégie de vente, c'est celle qu'on aime le moins. Mais là, en fait, ça va être hyper naturel parce que, pourquoi? Vous avez déjà la confiance de votre audience, vous avez déjà des gens qui vous suivent, qui aiment votre énergie, qui aiment votre personnalité, qui est engagé avec vous parce que vous avez des valeurs, qui vous fait confiance parce que vous avez une histoire, et que vous êtes la meilleure personne pour les aider, vous êtes légitime. Et donc, la partie stratégie de vente, elle est vraiment là, fluidement en fait, elle se met en place tout naturellement. Ok? Pourquoi? Parce que avant de vendre, voilà, vous avez travaillé sur votre stratégie de visibilité, comme on disait hier, pour attirer uniquement des personnes qui sont intéressées par votre travail, parce qu'on est des entrepreneurs, donc les personnes qui s'abonnent à nous savent qu'on a un compte professionnel, et on a aussi mis en place une stratégie de communication qui est simple
et impactante qui inspire votre audience, qui crée le lien de confiance et la connexion émotionnelle avec votre communauté. Et c'est ça qui va faire qu'au moment de choisir entre deux entrepreneurs, deux coachs, deux naturopathes, deux thérapeutes, peu importe, ils vont vous choisir à vous en fait. Ok ? Et donc, bah, au moment de la partie vente, vous n'aurez plus besoin d'aller à la chasse aux clients en fait. Vos clients, ils sont déjà là. Ils vous font déjà confiance. Ils veulent travailler avec vous parce que c'est vous en fait. Ok ? Donc, avec ce système minimaliste, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour vendre parce que c'est un système qui est basé sur la qualité avant la quantité. Ok ? Donc, vous n'avez pas besoin de milliers d'abonnés qui vous suivent. Vous avez besoin de quelques personnes qui sont prêtes à investir avec vous, qui vous font confiance et qui sont prêtes à vous payer à votre juste valeur. D'accord ? Donc, ce que vous allez voir avec votre stratégie de communication sur Instagram, ce que vous allez avoir, c'est cette confiance, cette connexion émotionnelle et cette crédibilité. Plus vous allez pouvoir montrer votre expertise également. Vous êtes la meilleure personne pour les aider à résoudre leurs problèmes. D'accord ? Donc ça, voilà, je voulais vraiment... Si on résume un petit peu les trois piliers, parce que je vous ai apporté beaucoup de contenu là. Mais si on résume ces trois piliers, le premier pilier, c'est Instagram. Instagram, c'est un levier pour votre business. C'est là que vous allez en fait tisser cette relation de confiance, cette connexion émotionnelle forte et profonde avec votre audience. Et c'est ça qui va faire qu'au moment d'acheter, vos clients vous feront confiance et donc le feront naturellement et même avec plaisir et envie. Ça, c'est la partie marketing de cœur que j'ai pas trop approfondie dans ce live, mais le but du marketing de cœur que j'utilise et que j'enseigne, c'est de donner envie à nos clients de travailler avec nous. Et c'est totalement différent du marketing de la peur, où là, le but, c'est de faire peur à ses clients sur « mais si t'achètes pas mon service, tu te rends compte de ce qui va se passer dans ta vie, t'as pas envie de faire ça, ok ?» Donc ça, c'est le marketing par la peur et c'est pas du tout ce que j'utilise moi. Et c'est pas du tout ce que j'enseigne non plus. Le deuxième pilier, c'est le mindset. Avoir confiance en soi, se sentir légitime, méritant et accepter de recevoir l'abondance dans sa vie de façon fluide et dans le respect de votre énergie et de votre bien-être. D'accord ? Et le troisième point, c'est la vente. Et la vente, ça se met en place, une fois qu'on a mis en place la stratégie de visibilité et de communication, ça se met en place de façon naturelle, simple et efficace. Pourquoi ? Parce qu'on est en plus aligné avec nos valeurs, notre message et qu'on vient respecter notre audience. On ne vient pas leur vendre un truc comme ça sorti de n'importe où à des prix dérisoires. Non, c'est juste, on sait, les abonnés savent pourquoi vous travaillez comme ça, pourquoi vous êtes là, pourquoi ce service, pourquoi ce prix. C'est juste en fait. Donc, c'est naturel que ça se passe. D'accord ? Donc, c'est ces trois points-là qu'on va voir ensemble pendant les éclaireuses. Si vous êtes prête à mettre en place un business minimaliste, à passer au prochain niveau dans votre entreprise et à attirer l'abondance dans votre vie de façon naturelle et en alignement avec votre bien-être et votre éthique, envoyez-moi votre candidature, c'est le programme qu'il vous faut et je suis mais tellement heureuse de vous le proposer. En plus de tout ça, voilà, juste je vous préviens, il y a un nombre de places limité parce que bah, je mets en place pour cette première section exclusivement du coaching en individuel. Et c'est là que je vais vous apporter un maximum de valeur et il y aura quelques personnes qui auront le droit à ce coaching individuel. Pourquoi ? Parce que je veux vraiment vous apporter un maximum de valeur et travailler en fait sur votre business spécifiquement, d'accord ? Et cette première session, elle inclut du coup, comme je vous le disais, exceptionnellement ce coaching individuel et on va voir du coup ensemble bah, bosser vos stratégies, votre mindset et vos croyances et vos blocages pour débloquer tout ça. Et donc, cette première session, je vous disais, elle est pilote. Et en fait, le but avec cette première session, je vais vous le dire en toute transparence parce que vous savez que ce sont mes valeurs. Mon but derrière avec cet individuel, c'est en fait de récupérer une maximum d'informations pour vous faire des vidéos. Et donc, les prochaines sessions n'auront plus forcément cet individuel, mais auront des vidéos en complément du coaching de groupe. D'accord ? Donc ça, c'était important pour moi de vous le dire. Pendant cette première session, je vais vous bichonner, je vais être à fond avec vous. C'est vraiment voilà, la session pilote et je suis ravie de le faire avec vous pendant cet été. Et ensuite, les prochaines sessions, tout cela, sera beaucoup plus automatisé. Donc voilà, je voulais vous dire ça, que cette première session, ce sera la session privilégiée. Je suis vraiment super contente de faire ça avec vous. Et par rapport au budget des éclaireuses, on m'a demandé aussi le prix de cette première session. Il est forcément aussi préférentiel parce que comme je vous le disais, c'est la session pilote. Et ensuite, du coup, voilà, il va augmenter. Et pour cette première session exclusivement, je vous ai débloqué le paiement en une
3 ou 5 fois. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir aussi vous apporter cette facilité de paiement qui est disponible jusqu'à la fin de la semaine. Et d'ailleurs, les inscriptions sont également ouvertes jusqu'à la fin de la semaine. Donc, on m'a demandé aussi comment ça se passe à l'intérieur du programme des éclaireuses. Donc, le programme des éclaireuses, c'est un coaching par mois en individuel, donc une heure par mois, et c'est 3 coachings de groupe par mois, donc 3 heures par mois. Ok, entre-temps, vous avez un groupe Facebook privé pour me poser toutes vos questions et je vous coach à tout instant dans la limite d'une semaine raisonnable. Et voilà, et donc en fait, l'investissement en termes de temps, c'est une heure par semaine, donc 4 heures par mois avec moi. Ok, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans ma bio pour qu'on fasse ça dans votre business ensemble, pour rejoindre les éclaireuses. Vous pouvez m'envoyer votre candidature maintenant, les inscriptions se terminent vendredi, je le répète. Le nombre de places est limité, donc si ça vibre pour vous, ben, je vous invite à me contacter. Et également, si vous voulez qu'on réserve ensemble une séance découverte, si vous voulez qu'on parle de votre projet, de comment est-ce que c'est possible de mettre ça en place chez vous, on peut le faire aussi. Vous m'envoyez un message privé et j'ai des créneaux de séance découverte qui sont bloqués pour ça demain. Ok. Bon ben voilà, j'espère beaucoup que ce live vous a plu parce que c'était voilà selon moi les 3 piliers indispensables pour level up dans son business. Je suis vraiment profondément ravie d'avoir partagé ces 4 lives avec vous cette semaine et je suis ravie d'avoir terminé comme ça. Donc je vais lire un petit peu vos messages. Donc merci pour ce live Clémence, on finit la semaine en feu. Yes, je suis super contente, ça m'a donné de nouvelles idées de post en plus. Ah ben je suis ravie Anne-Sophie. Merci beaucoup pour ce magnifique live. Ah ben merci beaucoup à toi d'être là. Je suis ravie les filles. Bon, bah écoutez, je vous mets le replay en IGTV. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter hop, dans les commentaires sous la IGTV ou à m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez réserver une séance découverte et si vous voulez rejoindre le programme Les Éclaireuses dans lequel on va vraiment approfondir tout ça ensemble dans votre business pendant les 3 prochains mois. N'hésitez pas à me laisser votre candidature, vous avez le lien dans ma bio. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle fin de semaine et... à plus tard de l'autre côté pour les éclaireuses.